Bonne ambiance. Mais je sais pas si elle peut pas, regarde, on peut pas. C'est mort. C'est avec qui? Mais elle filme, elle est en train de filmer là. Bah voilà, regarde, je fais l'URG. Moi je te dis, je fais l'URG, je sais, mais c'est parce que on est en train de gagner des personnes pacifiques. Je comprends que ceux qui commettent des actes de que la police est normale. Mais là, tiens, ça me saoule. Je pense que ce que nous voulons, que nous souhaitons du fond du cœur, c'est que nous souhaitons que sur tous, je crois que le voilà. Je crois qu'il sort. Tous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble, on ne peut pas vivre comme ça. Notre pays qui passe comme ça, la vie, ce n'est pas possible. Tout ce que nos anciens ont construit, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents n'ont pas continué. Nos droits sociaux, on nous en est fous. Et vous, les jeunes, vous allez aussi avoir, vous le savez, de graves difficultés à pouvoir entrer dans ce monde du travail. La sélection, mais quelle sélection? Il faut que, on dépend de l'éducation et on fait la sélection. On ne peut pas continuer. Tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir refaire une école privée, d'aller dans des universités privées comme aux USA, comme ça dans l'Angleterre. Il faut que nous continuions à garder ces droits-là. Nous allons devenir les esclaves de demain si nous ne nous battons pas. Mais là, maintenant, Nous sommes là pour nous battre, pacifiquement. Mais il faut que beaucoup de personnes rejoignent le mouvement. Il faut que nous soyons de plus en plus nombreux, que nous voyons des gens, des étudiants, des personnes âgées, des handicapés, tout le monde dans la rue. Tout le monde avec nous. On soutiendra toujours le monde. Vous savez, ce matin, après-midi, soir, la nuit, ce sont nos ronds-points. Nous sommes là, nous apportons beaucoup de chaleur, nous en recevons aussi énormément du peuple. Ne croyez pas, on est soutenu par un grand nombre de la population. Nous l'avons encore vu ce samedi lorsque nous sommes revenus de la manifestation. Nous sommes arrivés à notre QG, qui était le lieu de réunion de tout le monde à Saint-Isidore. Et vous savez combien, et à Cantaro également, vous savez combien de klaxons il y avait comme la troisième, quatrième semaine de manifestation. C'est incroyable. Ne croyez pas à ce que vous disent les médias. L'information est manipulée. C'est l'État qui manipule. Et donc, bien entendu, les personnes entendent ce qu'ils veulent bien vous dire. Vous savez, lorsqu'ils ont commencé à détruire les ronds-points, il y a de cela 3-4 semaines, ils ont détruit, ils ont commencé par eux, ils n'ont pas détruit Saint-Isidore, parce que nous étions nombreux. Ils n'ont pas détruit en ville, parce que nous étions nombreux, parce qu'il y a beaucoup de touristes dans la région. Ils voulaient éviter le chaos, ils n'allaient pas aller jusque-là. Et ils essayaient de laisser les ronds-points des Alpes-Maritimes intacts. Ils ont été dans des petites régions de France, dans des petits villages, dans le monde de la télévision, comment ils débarquaient les ronds-points. Mais qui a réussi à ces ronds-points? 10, 12, 15 personnes maximum, parfois 7, 8. C'est tellement facile d'utiliser de la force de cette façon-là. Mais les gilets jaunes continueront à se battre, car notre but à nous, ce n'est pas de foutre le chaos, là nous sommes très pacifiques, mais il faut que nous nous battions. Donc oui à l'éducation, non à la sélection, non à la sélection, oui à l'éducation. Rejoignez-nous, rejoignez notre mouvement. S'il vous plaît, rejoignez-nous. Il n'y a que comme ça que nous y arriverons. Nous sommes d'ailleurs très nombreux. Au jour d'aujourd'hui, ils ont détruit nos campements. Ils ont détruit le campement de Saint-Isidore. Ils ont détruit celui de Cantaron en gazant hier une vieille dame de 75 ans qui était inoffensive. Cette personne-là, c'était une mamie de 75 ans. Ils l'ont gazé. Ils vont passer à la force supérieure. Donc, s'il vous plaît, rejoignez-nous. Notre avenir en dépend. Bravo! Gastamé, au bonnet! Gastamé, au bonnet!
Elle a trop bien parlé. C'est quand que vous faites le défilé en pin-up là? Dimanche prochain à 14h Garibaldi. Émotions.